Tadam! Ok, voici la séance de ce vendredi 20 mars. Se compose de trois parties. Notre warm-up se compose de 10 tours. Un tour se compose de 10 mètres de run. 5 mètres aller, 5 mètres tour. Obligatoirement, du shuttle run. Je pars en l'air. Je touche, ça me fait 10 mètres. Une fois que j'ai fait mes 10 mètres, 7 air squats. Pieds sous les épaules, les mains devant, genoux à l'extérieur, je casse la parallèle, je remonte. Les fesses plus bas que les genoux à l'extérieur, le poids dans les talons, et je remonte. J'en fais 7. Donc 10 tours. 10 mètres, 5 mètres aller, 5 mètres retour, 7 air squats. Ça c'est un tour et je le veux 10 fois. Pour notre renfo, toujours 10 tours. Un tour se compose de 10 Turkish sit-up. Turkish sit-up, je me couche totalement au sol. J'ai un bâton dans les mains, un objet, qu'importe l'objet. Histoire que vous arrivez à gainer devant les yeux. Je me redresse en étant le plus droit que possible. Épaule active derrière les oreilles. Je retourne ici. Je souffle fort, je descends. Les jambes restent totalement droites au sol. J'en fais 10. Une fois que j'ai fait mes 10, 30 secondes de planche sur les coudes. Les coudes sont sous l'alignement des épaules, les fesses sont serrées, abdos rentrés, la tête dans l'axe du corps. Je reste. 30 secondes de répétition. Donc, 10 Turkish sit-up, 30 secondes de planche, 10 fois. Pour le haut. Le WOD est un fort time, un WOD à réaliser le plus rapidement que possible. Un tour se compose de 1 minute de hold, squat, wall. Les fesses sont hauteur de genoux, les genoux à l'extérieur, le poids dans les talons, le buste, fier, le dos plaqué. Interdiction d'être ici. Je laisse glisser les mains là ou là. 1 minute 30. Si vous n'arrivez pas à tenir 1 minute 30, vous dites oh, ça tremble. Je remonte et je fais 15 air squats. Genou à l'extérieur toujours et je redescends. Je regarde le temps qui me restait et je repars contre mon petit mur dans le temps restant. Ok, 1 minute 30. Je parcourir dehors 400 mètres. Si vous ne savez pas les distances dans votre rue, pas de problème. Vous allez courir simplement entre 1 minute 30 et 2 minutes dehors, histoire de découvrir un peu les champs. Et on repart. 10 tours. 1 minute 30 de chaise contre le mur, 400 mètres de course à pied, plus ou moins. Je vous demande donc 1 minute 30, 2 minutes de course à pied. Il n'y a pas de time cap. Vous devez finir le WOD. Vous êtes en quarantaine, vous n'avez que ça à faire. Moi, par contre, je suis large dans mon time cap. Ok ? Samedi, demain, je vous prépare un petit WOD team à réaliser entre copains à la maison. Ça marche ? Bonne journée à vous.